ce 20e siècle qui est le nôtre, il n'est pas une nation au monde, à quelques rares exceptions près, qui n'ait été plongée dans un conflit sanglant. Oppresseurs et opprimés, vainqueurs et vaincus, les peuples de la guerre, une mise en accusation tragique de notre civilisation, une époque où la plupart des grandes puissances s'efforçaient d'accroître leur influence, leur pouvoir et leur richesse. Nourrie du rêve insensé de faire revivre la gloire de la Rome antique, l'Italie, en 1911, se lance à son tour à la conquête de nouveaux territoires. La Libye, sur l'autre rive de la Méditerranée, est son objectif. Des troupes débarquent à Tripoli, Benghazi, Zouara, Sirte, Derna et Tobruk. La population locale, assaillie de toutes parts, oppose une résistance farouche et résolue aux envahisseurs et brise leur élan sans pouvoir les chasser. C'est l'impasse. En 1922 s'ouvre une ère nouvelle pour l'Italie. Celle de la dictature de Mussolini. Le conflit prend une ampleur nouvelle en Libye, où les forces fascistes de plus en plus nombreuses se heurtent à la résistance accrue de la population. Nous embrayerons la terre entière, et ensuite, je vous le dis, nous ferons flotter le drapeau du fascisme jusqu'aux étoiles. Encore des exécutions. Je ne comprends pas. Si nous avons vaincu les Bédouins, pourquoi continuons-nous à les pendre? Pourquoi dois-je continuer à engouffrer des troupes dans une victoire que j'ai déjà gagnée? Ah, il serait bon que mes généraux rédigent chacune de leurs dépêches en deux versions. L'une dans laquelle ces messieurs se féliciteraient de leurs glorieux exploits, et l'autre dans laquelle ils m'annonceraient leur défaite. Ça ne peut pas durer. Et jamais je ne tolérerai que ça dure. Regardez. Cette zone verte. Ce vert. Symbole de fertilité. Voilà la récompense. Le reste n'est qu'un bout de papier d'emballage. Cette terre n'attend qu'un audacieux pour la prendre et l'empaqueter. Graziane, venez avec moi. Oui, 20 précieuses années gâchées dans une guerre sans fin. J'ai envoyé 5 gouverneurs en Libye en moins de 5 ans. Non ! Non, l'armée, cette force vive du fascisme, ne sera plus mise en échec. Car il faut bien le dire, que sommes-nous? Le fer de lance d'une ère nouvelle. Et contre qui nous battons-nous? Les tribus du désert? Les fantômes? Je veux leur chef. Je veux le voir là devant moi. Je veux que leur révolte soit écrasée. Comment s'appelle-t-il? Omar Mukhtar. Comment? Omar Mukhtar.
Omar Mukhtar. Entre nous, général, ces colons que nous avons envoyés en Libye, des paysans de notre sud, ils nous coûtent tout bien considéré autant que si nous les avions installés au Grand Hôtel. Donc quelque chose ne va pas. Non. Je ne permettrai pas qu'une poignée de bédouins arrête la marche en avant de 40 millions d'Italiens. La Libye est à vous, général. Vous, au moins, vous avez un nom qui leur fera peur. Puis-je dire, mon Duce, que lorsque j'écrase une rébellion, je le fais sans remords, la conscience claire, en vrai soldat. Quel était le métier de ce Mukhtar avant la rébellion? C'était une sorte d'instituteur. Un instituteur? Oui. J'ai été instituteur. On va tâcher de ne pas vous faire donner de leçons par ce monsieur, comme vos cinq prédécesseurs. Bon. Je n'aime pas qu'on tarde à agir. Allez, on y va. Général. Ramenez-moi à Mukhtar. Achetez-le ou brisez-le. Au nom du Seigneur, le compatissant et le miséricordieux, c'est le seul Dieu de bonté qui a répandu le Coran sur la terre. Il a créé l'homme et lui a enseigné la parole. Il a tracé leur chemin au soleil et à la lune. Il a tendu le ciel sur nous et il a réglé la balance de toutes choses. Arrête-toi là. Pourquoi croyez-vous que nous commençons chacun des chapitres du Coran par Dieu le miséricordieux? Oui. Parce que un des noms donnés au Seigneur est miséricorde. C'est exact, oui. Et de quelle façon Dieu montre-t-il sa miséricorde? Il a appris à parler à tout le monde. À parler, c'est exact, oui. Et il y avait autre chose dans ce que nous avons lu. Voyons. L'un de vous le sait-il et peut-il me dire ce que c'était? C'était... Attends. Regarde, laisse-moi te mettre sur la voie. C'était quoi? Je sais, c'était la balance. C'est exact, c'était la balance, c'est exact. Et pourquoi? Et pourquoi Dieu a-t-il réglé la balance de toutes choses? Hein? Où vas-tu? Alors, pourquoi Dieu a-t-il réglé la balance? Hein? Parce que sans équilibre, tout tomberait par terre. Ouais. Bon, à présent, voyons ce que vous avez écrit. Oui. Oui.
Très bien. Ils n'auront pas retenu grand-chose. What are you waiting for? Run. Apporte ça, ton père. Je t'écoute, Boumataï. Quelles sont les nouvelles? Un nouveau gouverneur. Encore? Ils arrivent toujours comme des lions féroces. Ils rentrent chez eux comme des chiens édentés. Hein? Alors, quel est le nom de ce nouveau gouverneur? Graziani, le boucher de Fezza. Graziani. C'était qu'une question de temps avant qu'il lâche cet homme à nos trousses. Une nouvelle offensive ne tardera pas. Mon père disait toujours, les épreuves qui ne réussissent pas à vous briser, vous fortifient. Nous montrerons à ce Graziani de quoi nous sommes faits. On dit que Graziani est assoiffé de sang. Je n'aime pas écouter des histoires. Pourtant, je le crois. Quand arrivera-t-il? À Benghazi, il commence à pavoiser la ville. Thank you.
Mesdames, messieurs, Son Excellence le Général Graziani, gouverneur de Cyrénaïque, et Son Altesse Royale le Prince Amédéo, duc d'Aoste. Merci, messieurs, mais les dames étant présentes, ne restez pas au garde à vous. Que la danse reprenne. Mon général, colonel Sarsani. Colonel Tomé. Giudice, here in Benghazi. The sun turns the rest of us black in the desert, but it seems to be turning you white. I came to talk to him. A drink first. If Europe knew what we do here, if even Italy knew. But here in Libya, we photograph everything. We're never without a snap, you know. You mustn't tell me too much. Even to tell you we are not abiding by the Geneva Convention? Colonel, don't. Please. Colonel Giudice, mon général. Ah oui. Giudice. J'ai lu des rapports sur vous. Ils prétendent qu'il vous suffit d'une poignée de main pour vous faire un ami d'un bédouin. Je n'aime pas ça, colonel, car cela semble vouloir dire que nous sommes obligés, nous, de les éliminer pour avoir la paix. Il y a plus de 5000 bédouins déplacés qui campent nuit et jour devant mon fort, général. Et je n'ai pas de quoi nourrir ces gens. J'ai beaucoup de difficultés à maîtriser la situation. Il me faut... Ce qu'il vous faut, colonel, c'est surtout un peu plus de ça. Qui est cet homme là-bas? Sharif El-Gariani. Il nous est extrêmement utile. C'est un ami de longue date d'Omar Mukhtar. Utile, dites-vous? Très utile. Amenez-le-moi. Je pense que vous sentirez vite que l'on peut se fier à lui. Général Graziani, puis-je vous présenter Son Excellence Sharif El-Gariani? On me dit que vous connaissez Omar Mukhtar. Je l'ai connu. À votre avis, que faudrait-il pour le convaincre de se rendre? Je ne sais pas. Tout enfant déjà, il était terriblement obstiné. Mais si je puis vous être d'un quelconque secours, fût-il minime, je suis tout prêt, général, à vous rendre ce service. Et vous verrez que nous savons nous montrer terriblement généreux.
Lieutenant Chinieri, un message, mon général. Ça ne peut pas attendre. Vous voyez bien que vous inquiétez mes hôtes. Excusez-moi, je ne vais pas imiter Flaminius qui perd les trazimènes parce qu'il avait omis de lire ses dépêches. Qu'est-ce que ça veut dire? Un autre coup de main pour rien? Combien de morts chez les Italiens? 20, mon général, et à peu près 60 blessés. Et ils l'ont laissé échapper? Oui, mais cette fois, on a vu Mouktar. Ah, on a vu? Comment sait-on s'il s'agissait de lui? Personne ne l'a jamais vu, alors qui aurait pu le reconnaître? Ils ne l'ont vu qu'un moment, mon général, mais ils en sont certains. C'était Mouktar. Je suppose que je devrais les décorer pour avoir eu le courage d'entrevoir Mouktar. Ici, là, il est peut-être ici, peut-être ailleurs. Tomelli, je veux que vous mettiez sur pied une unité rapide, impitoyable, et oubliez à quoi ressemble Omar Mouktar. Ne soyons pas obsédés par le fait de n'avoir jamais vu. Il faut frapper dur. Il faut s'attaquer à tous les siens. Il faut extirper la révolte qui gronde au cœur des Bédouins. Les Bédouins ne sont pas des soldats ordinaires. Ils se battent pendant 3 mois avec Mouktar, et les 3 mois suivants reprennent leur vie habituelle. Tomelli, guerre à outrance. Mais sans merci. Ismaël, viens aider ton frère. Que les femmes se cachent. Ces trois-là, tout au fond. Et ces deux là-bas. Ah oui. Ce jeune chacal avec les autres. Il y en a parmi vous qui sont des soldats, des rebelles. Alors au lieu de passer 3 longs mois avec Mouktar, vous effectuerez 1 an de travail utile et obligatoire pour nous. Et vous ne nous ferez plus d'ennui, et vous n'aurez plus d'ennui. Comme ils donnent la moitié de ce qu'ils ont à Mouktar, brûlez-moi dans cette moitié. Va bien. Va bien.
C'est une blessure par balle. Tu as été blessé en te battant pour Mukhtar. Ai-je raison? Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Tu avoues? Alors, il faut payer maintenant. Exécutez-le. Non, pas là-bas, non. Ici. Qu'ils soient tous témoins. Au nom du Tout-Puissant, laissez-lui le temps de prier. Je te conseille de te tenir tranquille. Mère, il faut que je fasse quelque chose. Oh, Aïcha. Elle a oublié son voile. Oh, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose, mère. Hamid, mon fils, ils ont brûlé son arbre. Tout ce qu'ils ont fait à mon frère et à Aïcha et à mon père. Je vais rejoindre Sidi Omar. Il est encore trop jeune. Tantôt on viendra bien assez tôt. Je suis devenu un homme aujourd'hui, un homme. Oh. Il est parti aussi. J'ai besoin de toi. Thank you.
Ils devront passer par ici. Voilà notre champ de bataille. Là. Hey, c'est là. Mais un lézard lui-même ne pourrait s'y cacher. Colonel, toujours rien en vue. Allez voir de l'autre côté. Ils sont enfin où nous voulions qu'ils soient. Ils n'ont aucun moyen de se mettre à couvert. Allons-y. En avant! À cheval. Ils fuient sans demander leur reste. Allez-y, accélérez. Arrêtez!
Yadji, voyez-vous quelque chose? Non, rien. Rien. Ils fuient et nous les avions entre nos mains. Tous à leur poursuite! Regarde ces machines. Sidi Omar! Nous ne tuons pas les prisonniers! Ils le font bien, eux! Ce n'est pas une raison pour les imiter. C'est un enfant. Tiens, dis à ton général que ce drapeau n'a rien à faire ici.
Mon époux? J'ai veillé à te rapporter son livre. Il n'a jamais tourné le dos aux Italiens. Viens ici. Comment t'appelles-tu? Ali. Ah oui, Ali. Ceci est à toi. Ceci est ton livre, ton corps. Dis à ta mère de te le mettre de côté. Ne lui laisse pas voir ton chagrin. Un jour, il devra à son tour se battre. Pour les enfants, nous devons toujours être forts et sûrs de nous. Jamais vaincus. Allez, rentre. Viens, Ali. On va faire le tour du campement. Voici mon ami. Il s'appelle Ali. Ah, et lui, c'est Boumatari. Il a un fils, un petit garçon de ton âge, qui est à Koufra, très loin dans le désert. Il doit s'ennuyer de son père. À présent, tous les deux, nous avons beaucoup de travail. Fais attention. Oh, c'est moi que tu imites. Je ressemble à ça. Il va falloir que tu me les rendes parce que sans mes lunettes, je peux pas lire. Allez, maintenant, va te dégourdir les jambes et voir si tout le monde travaille. Balayez. Un lieutenant et une voiture de reconnaissance. Voilà tout ce qui subsiste d'une unité combattante. Sachez que je ne suis pas venu en Libye pour être nargué par des bandits. Antonio Tomelli était un de nos meilleurs officiers. Ce jeune homme, à lui seul, a sauvé l'honneur, notre honneur. Il nous a rapporté le drapeau. Mon général, c'est eux qui nous l'ont... Oui, naturellement, vous serez décoré. La médaille de l'honneur. Jamais je n'ai perdu un seul drapeau. Messieurs, j'insiste sur un point que je vous prie de noter. Nous ne combattons pas Mouktar et 200 de ses hommes par ici, ou 70 de ses hommes par là, nous combattons une population. Ma patience ayant des limites, j'applique dès aujourd'hui la première des trois dispositions ou mesures destinées à éliminer la rébellion de cette colonie. Elle est simple et aurait déjà dû être mise en vigueur. Je propose que nous concentrions les Bédouins. Concentrer les Bédouins? Derrière des barbelés, bien sûr. Dans des camps, ils y demeureront jusqu'à ce que nous jugions prudent de les libérer. Et je ne veux pas de pitié pour eux. Ils sont responsables de ce qui va leur arriver. Nous comblerons leurs puits. Puis nous brûlerons leurs champs. Et nous détruirons leurs arbres. Nous ferons de leur terre un désert de cendres. Si elle ne peut plus les nourrir, alors... ils devront la quitter. Et s'ils nous opposent une résistance? Vous y répondrez par l'antique châtiment prévu par Rome pour les rébellions. La décimation. It is ridiculous to think that we can fight this war kindly. We cannot. We can fight it thoroughly. To place half a million people behind barbed wire
It is a formidable and majestic undertaking. But we will do it. Are there any questions? General, Bedouin die in cages. That is an answer, Highness. Not a question. But sir, won't we be making more rebellion? Not waiting it out. Gentlemen, if we are to bring the Bedouin to any sense of obedience, we must first let the lava flow. Retournez-vous en punition de votre rébellion. 1/10 parmi vous sera abattu. Ils les ont tous emmenés, tout le monde. Qui sont-ils pour faire une guerre pareille? Pas contre des armées, mais contre des innocents. Contre tout un peuple. Il mourra beaucoup plus de gens dans ces camps qu'il n'en reviendra. Et ils mourront, pourtant il n'y a pas eu faute.
Ils n'ont pas eu le choix. Où est-ce notre faute? Et notre choix? Regarde ce qu'ils ont fait. Il a tendu le ciel sur nous et il a réglé la balance de toutes choses. Tu as une chance de leur échapper, saisis-la. Va avec Ismaël. Ne pense pas à moi. Va. Va. Hey!
monde derrière. Ismaël. Rejoins-le. Ramène-moi Ismaël. Le cheval ne portera pas deux personnes. Ismaël le sait bien. Viens, si tu as mal. Alors, c'est toi le brave jeune homme. Le brave jeune homme qui a permis à Mukhtar de m'échapper. Pourquoi as-tu fait ça? Tu es jeune. Tu as tout l'avenir devant toi. Dis-moi, tu ne veux pas vivre? Réponds. Je préfère qu'il vive, lui. Tu ferais un bon soldat. Que dirais-tu de rejoindre nos forces? Vous êtes plus impitoyable que moi, Altesse. Vous voulez le corrompre. Emmenez-le vite. Donnez-lui ce qu'il demandera, des fruits, du miel, tout ce qu'il voudra. Et ne lui faites plus aucun mal. Pendez-le, au petit jour. Ne vous êtes-vous jamais dit, général, que par le moindre de nos actes ici, nous appartenions à l'histoire, même si cette histoire n'obtient qu'un paragraphe modeste dans la presse de Rome? C'est justement Rome qui fait ma force, prince. Rien d'autre ne compte. Un jour dans le souvenir de Rome n'a plus d'importance pour moi que toute une génération dans la mémoire de la Libye. Je me demande ce qui arrivera si Rome nous oublie et si la Libye seule se souvient de nous. Ne vous tracassez pas avec ces spéculations. Voyez-vous, c'est nous qui écrivons l'histoire. La Libye est notre couronne d'épines. Oh non. La Libye sera notre gloire. Regardez-la. Regardez-la. Le désert, toujours le désert. On ne les a jamais poursuivis dans le désert. Alors je dois conquérir le désert pour marcher sur Koufra. D'ici à là. C'est facile, il me semble. Oh non. Mais ce n'est qu'un grand espace vide. Il n'y a rien là-bas. Du sable et du vent. Et aucune force d'opposition. Que vous apportera sa conquête? La gloire pour Rome, l'agrandissement de l'Empire, l'incapacité pour les rebelles de sortir des montagnes,
mon renom et une nouvelle page de l'histoire militaire. Vous voyez bien que votre désert contient beaucoup de choses, prince. J'ai une petite surprise pour vous. Oui, entrez. Diodice, votre temps est venu, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. L'homme qui se fait des amis d'une simple poignée de main. Prouvez-le nous, main tendue par-dessus le désert. Je vous charge d'organiser des pourparlers de paix avec son Excellence. Omar Mukhtar. Ça ne sera sans doute pas facile aujourd'hui. Non, mais vous y parviendrez. Et quels sont les préalables à des conversations officielles avec Omar Mukhtar? Il n'y en a pas. Aucun préalable. La Libye tout entière est ouverte à la discussion. Regardez-la. Regardez-la. Nous assierons à la table de conférence sans le moindre préjugé. Mukhtar se bat contre nous depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes des ennemis qu'il connaît bien. Mais il connaît la valeur de nos promesses. 20 ans, c'est long, trop long. Échapper à la corde pendant 20 ans tout en sachant que vous ne l'emporterez jamais et n'avoir que l'espoir de ne pas céder. Sa guerre n'est pas autre chose. Mukhtar aurait tort de faire la fine bouche pour quelques vieilles promesses non tenues. Quand pourrais-je, au nom de votre Excellence, engager les pourparlers? Pas tant de hâte, Diodice. Vous devrez conduire lentement vos conversations avec Mukhtar en prenant votre temps. Mais... Donc, qu'il veuille parler ou se taire, sondez cet homme et étudiez-le. Oui. Je le verrai, je le sonderai. Soyez-en, merci. Ainsi que d'avoir répondu aussi vite à ma convocation. Merci. Une affaire enfin réglée. Diodice n'est pas l'homme qu'il faut. Il offrira ce que Mukhtar devra refuser. Et Mukhtar demandera ce qu'on ne peut lui accorder. Ce qui me fait penser que vous ne voulez pas que la chose aboutisse. Non. Non, vous êtes injuste avec moi. Je veux la paix, bien entendu. Je veux gagner la paix. Et il arrive, lorsque vous êtes fort, que la paix prenne des allures d'une conquête. Il ne me donnera pas la paix, mais il me donnera ce dont j'ai besoin. Le temps, un temps précieux. Ainsi, voilà à quoi il ressemble. Après tant et tant d'années, nous sommes les premiers à le voir. Le vieux lion. Salam alaikum. Colonel Diodice? Oui, Sidi Omar. Entrez. Prenez place. Le colonel Barillo, administrateur et gouverneur militaire de Merja.
Et voici le commissaire spécial Lobito. Monsieur le commissaire arrive directement de Rome. Il est là pour nous conseiller et nous assister. Vous nous avez invités pour parler. Nous voilà. Votre Excellence. Mon vœu le plus cher est de voir les Italiens et les Arabes enfin unis dans une solide alliance. J'aperçois un avenir de cause gagnée en commun. Un échange d'idées et de traditions, d'instincts et de savoirs. Notre civilisation et votre culture. Un mariage heureux de vertu. Je veux que des observateurs des gouvernements de Tunisie et d'Égypte soient témoins des accords auxquels nous pourrions parvenir. Oh, mais, en ce qui me concerne... Il n'en est pas question. Ils cherchent une reconnaissance à l'échelle internationale. Comme si les Bédouins jouissaient des droits souverains d'une nation indépendante, ce n'est guère le cas. Ce sont seulement des sujets sous notre protection. Nos discussions n'engageant pas des nations, mais uniquement des Italiens, nous ne pouvons permettre ni tolérer d'ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. Pourquoi nous représenter sous un faux jour? Nous n'avons jamais été Italiens, ne nous dites pas le contraire. Nous sommes nés où nous sommes nés, et cela par la volonté de Dieu. Et nous sommes nés de nos mères, nous ne sommes pas vous. Oui, enfin, nous aborderons plus tard la question des observateurs étrangers. Il n'y a encore rien d'écrit, rien qui puisse être observé par qui que ce soit, n'est-ce pas? Nous avons des écrits. Donne. Nous voulons nos écoles musulmanes. Mais oui. Mais c'est normal. Oui, oui, liberté de l'éducation. Accordée. Et toutes les écoles musulmanes seront ouvertes. Nous voulons avoir une forme quelconque de protection nationale. Nous voulons avoir notre parlement. Un parlement, l'affaire est du ressort de Rome. Cette tente ne convient guère à un tel sujet. Pourquoi? C'est vous qui l'avez installée. Aucune condition avez-vous dit, aucune limite, aucune exclusion. Tout pourrait être examiné à cette table et sous cette tente. Disons, voulez-vous que pour l'instant, nous prenons bonne note de votre demande concernant un parlement. Prenez-en bien note. Les terres qui nous ont été confisquées doivent redevenir notre propriété. Voyons, je ne parlerai pas de terres confisquées, je crois que je dirais terres réservées à la colonisation, à l'agriculture, et devant être mises en valeur et... Mises en valeur et exploitées par des Italiens. Je vous le dis, vous n'y échapperez pas. Dans 20, dans 30 ans, la terre sera redevenue la terre de mon peuple. Pourquoi croyez-vous que nous vous combattons? Mais toutes ces nouvelles exploitations vous procureront de nombreux emplois. Tant que vous nous volerez nos terres, tant que nous en serons capables, notre devoir est de vous combattre. Ah oui? Oui, notre devoir. Mais Sidi Omar, si j'en crois les autorités religieuses, le Coran, votre Coran, ne vous permet pas de prendre les armes et de faire la guerre. Vous ne pouvez pas gagner. Vous n'allez tout de même pas nous apprendre les lois de notre religion? Il n'y a pas de doute, le Coran est formel. C'est notre devoir envers Dieu de nous défendre et de nous battre contre tous ceux qui nous ont arrachés à nos terres et chassés de nos foyers. Je crois qu'il serait bon à présent d'ajourner nos discussions. Et nous avons tout le temps. Pourquoi voulez-vous ajourner? Votre Excellence, nous sommes dans l'obligation de soumettre vos demandes à Rome. À notre prochaine entrevue, nous vous transmettrons la réponse du gouvernement et ses propositions. Nous savons au moins désormais ce que nous voulons tous. Nous voulons qu'entre nous, cette cruelle effusion de sang prenne fin à jamais. Thank you.
parmi l'innovation de l'Italie. Elle fut la première à utiliser l'avion dans les combats. Elle est la première à utiliser le tank dans le désert. L'histoire n'oubliera pas cela, monsieur. Il nous fallait gagner du temps. Et maintenant que nous l'avons gagné largement, nous parlerons de paix avec éloquence. Clause 1. Les hommes d'Omar Mukhtar passeront sous le commandement des officiers de l'armée régulière italienne. Continuez. Clause 2. Il est entendu que le gouvernement assurera une solde mensuelle honorable à ces nouvelles recrues. Continuez. Continuez. Le gouvernement italien se réserve le droit de punir tout individu ayant commis crime ou acte délictueux avant que cet accord prenne effet. Omar Mukhtar n'aura nullement le droit de protéger de tels individus. Clause 4. Ces termes sont déshonorants. Capitulation sans condition. Rien à débattre. La parole ne nous est même pas donnée. Il est entendu que le gouvernement italien s'engage à verser à Omar Mukhtar une pension de 50 000 lire mensuelles et à lui procurer une demeure confortable et spacieuse. Et qu'ai-je donc fait pour t'en mériter? Mon entreprise a-t-elle connu tant de succès pour que l'on vienne m'offrir à moi la somme de 50 000 lire par mois? Savez-vous qu'en essayant de m'acheter, vous m'insultez très gravement? Votre Excellence, c'est moi qui ai fait cette proposition. Croyez-moi, mon intention n'était nullement de vous corrompre, mais uniquement de rendre votre retraite plus confortable. Comment serait-elle plus confortable quand mon peuple est parqué dans des camps de concentration et où se cache ce grand général qui bombarde, pend et dévaste? Pourquoi n'a-t-il jamais daigné venir ici? Quand les termes d'un accord seront acceptés par nous tous, le général Graziani sera fort désireux de vous voir. Je ne suis pas désireux de le voir. Ou plutôt, je suis désireux de le voir quitter le pays. Pourquoi se fait-il envoyer des troupes? Sur quoi avait-il marché? Sur la dernière de nos oasis, avec 6000 barils d'eau? Je sais où il va. À Koufra. Vous n'avez jamais voulu la paix. Vous ne vouliez que gagner du temps. Graziani nous trouvera contre lui. Mukhtar, si vous rejetez nos conditions, je vous promets une guerre immédiate, intense et impitoyable. Oh, je connais la puissance de votre gouvernement, la puissance dont vous nous menacez sans cesse. Nous luttons contre vous depuis 20 longues années. Et avec l'aide de Dieu, nous lutterons contre vous jusqu'à votre fin. Je redoutais cette conclusion. Pauvre fou. Il pense pouvoir s'opposer à des forces équipées des dernières armes. Il va couvrir. Ça ne fait pas de doute. Des milliers de soldats et des machines. Tout se dirige sur Koufra. Graziani fait ce que personne n'avait fait avant lui. Il envoie des tanks dans le désert. Mais cette fois, le temps travaille pour nous.
Pendant que Graziani marche vers le sud sur Koufra, nous attaquerons au nord. Nous l'obligerons à revenir sur ses pas. Mais nous devons nous battre pour Koufra. Nous battre et mourir. Parfois vaut mieux ne pas mourir et se résigner à perdre ce qui est perdu. Nous savons que ta famille est là-bas, mais défendre Koufra, c'est y mourir. Il faut que je parte. Oui. Oui, il le faut. Êtes-vous prêt à les pilonner? Oui, mon général. Parfait. Alors allez-y. Lieutenant Sandrini, ouvrez le feu. Monsieur?
faites donner tout ce que vous avez. Les tanks devant. Exécuter les ordres du colonel. Pas de retraite! Nous nous battrons et nous mourrons ici! Vicino al muro! A te al muro! Dai! Svegliati! A te al muro! Voltati! Forza! Va bene. Feu!
Messieurs, voici Koufra. Attenti! Zintad! Halt! La prise de Koufra a été un rude coup pour nous. Elle nous a fermé le sud. Et la seule route permettant de nous réapprovisionner est de l'autre côté de la frontière égyptienne. Nous avons absolument besoin de provisions, de matériel. Trois voitures italiennes arrivent par la route de Merja. Combien ? Trois. Et elles ont le drapeau blanc. Laisse-les passer. Nous terminerons plus tard. Sharif El Gariani. Pour arriver jusqu'à toi, nous avons dû utiliser des voitures italiennes. Et tu les as trouvées confortables? Nous avons à te parler, Sidi Omar, seul. Ce que nous venons te dire ne peut être dit en public. Alors ça ne peut pas m'être dit non plus. Omar, pourquoi refuses-tu de te rendre? Tu obtiendrais les meilleures conditions possibles. Mohamed Rida n'aurait aucune difficulté à te procurer un sauf-conduit. Un sauf-conduit? Pour aller où? En Égypte. Ah, en Égypte. Me cacher comme son frère. Tu es le seul, le dernier Senoussi qui reste encore en Libye. Et regarde-toi. Et... Regardez-le bien. Mais mon peuple a combattu pour défendre tes propres privilèges. Mais où en es-tu aujourd'hui? Omar Mukhtar, les Italiens nous ont donné des assurances. Retourne-en auprès d'eux, et vite! Ce sont les Italiens qui gouvernent ce pays. Non, ils règnent sur cette terre pendant le jour, mais par Dieu, nous la leur reprenons pendant la nuit. Omar Mukhtar, tu es seul, tout seul, entièrement coupé du reste de ce pays et sans contact avec le reste du monde. À la Société des Nations, nul ne parlera pour toi. Et si par hasard quelqu'un parlait, personne n'écouterait, car ça n'intéresse personne. Cette bataille ne se déroule pas à la Société des Nations. Cette bataille a lieu ici, sur cette terre. Omar, tu ne peux remporter la victoire. Vos poitrines contre leurs machines. Tout homme a deux existences, celle qu'il vit et celle de ses enfants. Tes enfants meurent de faim. Tes enfants meurent dans des camps de concentration. Meurent parce que tu t'obstines à vouloir te battre. Oui. Oui, ce sont des otages de guerre, tous. Mais il n'en est pas un qui me trahirait, pas un. Et pas un d'entre eux ne m'a demandé de capituler, parce qu'ils savent, et je sais aussi que si je me rendais, c'est moi qui les trahirais. Omar, nous étions inséparables. Souviens-toi, nous avons été enfants ensemble, il y a 70 ans. Oui. Oui, je m'en souviens. Et que nous sommes loin l'un de l'autre aujourd'hui. Ceci pourrait bien être la dernière chance qui te soit offerte de négocier dans l'honneur une paix bénéfique. Ils volent nos terres, ils détruisent nos foyers, ils tuent des innocents par milliers, et tu appelles ça la paix. Je ne me laisserai pas corrompre par cette paix de criminels. Peut-être devrions-nous partir. Oui, je le crois. Je le crois.
Tu es vivant. Oui. Alexis Diomar. J'ai prié pour toi. Merci. Quand tu verras Ismaël, montre-lui ce sac. C'est lui qui me l'a donné. Est-il mort bravement? Tu reviendras. Oui. Mais pas avant plusieurs semaines. Va. Allez, allez, lève-toi. Dors. L'enfant est souffrant. Ce n'est pas lui que je veux. C'est elle. Allez. Vous êtes accusé d'avoir aidé, soigné et ravitaillé les traîtres et rebelles des montagnes. Est-ce que vous avouez avoir commis ces crimes? Ainsi, vous reconnaissez que vous êtes coupable. En conséquence, vous serez tous pendus par le cou, jusqu'à ce que mort s'en suive. Thank you.
As the holder of a silver medal of honor, Lieutenant, you will have the privilege of giving the order for the execution. No! What did you say? You will do your duty, Lieutenant. I did not join the army to hang women, sir. Very well. Capo Manipolo! Lieutenant Sandrini, you will consider yourself under arrest. Veuillez remercier Dieu pour la vie que vous nous avez donnée. To do. You refused your duty. Insubordination is un grave manquement à la discipline. Si nos officiers se mettent à avoir des scrupules de conscience, où cela s'arrêtera-t-il, je vous le demande. Je suis prêt à répondre de mon acte devant la cour martiale. Bien alors. Moi, je ne suis pas prêt à perdre les plus brillants héros de ma colonie. Un héros que j'ai créé. Je ne vous ferai pas le plaisir, ni la publicité de vous traduire en cour martiale. À l'école militaire, on vous a appris à obéir aux ordres et à ne pas les mettre en question. Oui, certes, mais... Je vous interdis de m'interrompre! La raison d'État a des exigences qui passent avant celles des particuliers. Des exigences devant lesquelles l'intelligence individuelle doit s'incliner. Oui, mon général. Je vous affecte aux unités combattantes dans les montagnes. Je vous accorde ainsi l'honneur de mourir en service actif. Je me charge des barils d'essence. The old man has these mountains, and he uses them. Last night proved that. Now, beyond this mountain range, there is a plateau upon which instinct tells us that tanks can't operate. Now, that is not true. It will be difficult, yes, but it will be decisive. Now, we control the approach roads here, and here. These are tank roads. Now, use them, will you? Sir, yes, I have intelligence.
If I can think about it, you execute it, especially if I can put you on that plateau without a shot being fired at you. Yes, sir. I'll direct Mukhtar here using artillery, gas, aircraft, no armor. Once he's committed himself 30 kilometers to the west by this road, I will then push my armor through. That'll leave them with their mouths open. Let's flush them out. Pearson. Yes. We must get to high ground. Get back to high ground! Move! Everybody! Given us 5 days and nights of it. He's making a big push for the mountains. And only using artillery. His tanks and armored cars are useless in the mountains. They can only operate on level ground. But he forced us here. What does that suggest? He wants control of the mountain roads. Yes. And what is there? The bridge at Wadi al-Kuf. That is what he wants. Messieurs, cette fois-ci, il ne nous échappera pas. En premier lieu, nous nous emparons du pont. Nous concentrons nos chars derrière l'ennemi et l'artillerie devant lui. Nous refermons la tenaille et nous le soumettons. Mais le pont, mon général, je suis surpris de voir que Mukhtar n'a rien fait pour le détruire. C'est parce qu'il se bat uniquement par instinct. Il ignore tout de la stratégie. Il n'a jamais suivi des cours de l'école militaire comme vous, messieurs.
L'heure est venue. Préparons le piège. Situation du pont. Sergent, respectez le pont. La voie est libre. Bon, allez voir à l'autre pont. Je me charge de celui-ci. À vos ordres. Il est rusé comme un renard. Ce pont, nous aurions dû le faire sauter. Non. Mukhtar, il faut empêcher ces voitures de passer. Donne le signal. Souris ne résiste jamais à la tentation du fromage. Jamais. Thank you.
L'artillerie s'apprête à ouvrir le feu. Pilonnez. Maintenant, faites donner le gros des troupes. J'imagine nous avoir trompés. Allons-y.
Ce vieil homme est très fort. Mon cher général, mon cher, très cher général, j'espère que vous ne m'en voulez pas de partager un peu de votre gloire, mais après tout, c'est moi qui vous ai choisi. J'espère avoir d'autres... Je voulais avoir ce que vous voulez, vous êtes le favori de la portée de l'homme que nous envions tous. J'ai réussi à déplacer la guerre du désert au cœur des montagnes. Les derniers membres des hordes ennemies se terrent sous les roches dans des trous, et nous nous voyons obligés de les extirper par la peau du cou les uns après les autres. Doutier, je ne sais pas, mais... Moi, je sais. Je sais que vous avez des difficultés. Votre problème numéro un vient du fait qu'ils sont dans les montagnes. J'ai l'impression d'avoir affaire à des fantômes. Pourtant, leurs attaques sont incessantes. Il est vrai qu'elles n'ont pas de forme, elles n'ont, comment dire... Que peut-on opposer à un ennemi qui semble n'avoir ni continuité de mouvement, ni position fixe ou prévue? Mais je ne me présente cependant pas à mon Doutier la tête vide de toute idée. J'ai trouvé la solution radicale. Un nouveau mur d'Adrien. Oh, à ceci près. Qu'Adrien bâtit son mur pour empêcher les barbares d'entrer et que le mien empêchera Mouktar de sortir. Je propose, mon Doutier, que nous clôturions la Libye, que nous tendions un mur infranchissable de barbelés à travers le désert, de la Méditerranée jusqu'aux rives de cet océan de sable et de mer. Il coupera l'ennemi de son approvisionnement qui lui vient d'Égypte et ne lui permettra pas de se replier sur l'Égypte. Doutier, mon Doutier, des centaines de kilomètres de fil de fer barbelé, est-il au moins possible d'en estimer le coût? Pourquoi douter de l'efficacité du mur d'Adrien? Rappelez-vous, c'est au mur d'Adrien, à lui seul, que les Romains doivent avoir occupé la Grande-Bretagne 100 bonnes années de plus. Thousands of tons of equipment, 4,000 men, 6 months and the whole job completed to the last barb. You old fool. You don't even look at a Rome vision that Tacitus himself would have been proud of, do you? La chasse est bonne, mon général, et c'est du gros gibier. Ils ont essayé de couper les barbelés avec des pinces coupantes et de passer avec 5000 cartouches. À présent, Omar n'a plus que le misérable apport des camps de concentration. Mais... cette source va tarir bientôt, messieurs. Et par doucement.
Il te reste combien de balles? 12. Si ça continue, nous en serons bientôt réduits à leur lancer des pierres. Combien de temps peut-on tenir? Jusqu'au jugement dernier. Rien n'a pu passer depuis un mois. Nous nous battons contre des barbelés. Ces barbelés ne gagneront que s'ils sèment le doute dans nos esprits. Pas avant. Oui, ces barbelés nous font du mal. Ils nous étranglent, ils nous étouffent. Mais c'est Dieu, pas Graziani. And not him. Qui décide de ce qui doit advenir de nous. Quelle est la volonté de ces barbelés comparée à la volonté de Dieu? Ils ont plus de 8 millions de baïonnettes. On n'en a qu'une, la parole de Dieu. And we are not alone. We have many, many fronts, and others are fighting beside us. Enough! Enough! Door and drink cry is a sacred oath. But we will overrun the earth, and then we will take the flag of fascism to the stars! Oh, thank you, Sam. It's not the cold. It's the dust. You've been fighting a war for 22 years. It's the same dust. Why don't you sleep? I feel better sitting up. We will sleep back at the camp. Thank you.
Cessate il fuoco! Basta! C'est du suicide, mon colonel. Il s'entrave les jambes pour ne pas risquer de fuir. Jamais. Avanti! Tu as pris les armes à la main. Toi, abat-le. Il y en a d'autres par là, capturez-les. Allons! Il est ton prisonnier, abat-le. Espèce de lâche, je te dis abat-le. Où est-il?
Alors, mon colonel. Oui. Je confirme son identification. C'est Amar Mokhtar. Je suis peiné, j'ai le cœur serré de le voir ainsi. Comment pouvez-vous dire ça? Il dirige la rébellion des Bédouins depuis au moins 20 ans. Un courageux ennemi comme Sidi Omar Mokhtar aurait dû être traité par nous. Avec dignité. Avec égard et respect. Avec respect? On aurait dû le fouetter tout le long du chemin avant de l'amener ici. Je crois que vous vous oubliez, capitaine. Excellence. Excellence, puis-je faire quelque chose pour vous? Non, mais si vous vouliez bien m'accorder un peu d'eau, je ferai mes ablutions et me préparerai à la prière. Mais bien sûr. Et les chaînes pendant que je prierai? C'est tout à fait hors de question. Il veut seulement dire ses prières. Je suis trop vieux pour escalader les murs ou me battre à main nue. Enlevez-lui ses chaînes pendant une heure. Vous en prenez la responsabilité, mon colonel? Oui. Apportez de l'eau. Merci. Non. Je n'ai rien. Omar Mokhtar. Thank you.
Je suis venu de très loin pour vous rencontrer. Il va vous falloir attendre. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes-vous entêté si longtemps? Vous n'espériez pas nous chasser de Libye avec de si petits moyens? Nous avons lutté. C'est ça qui comptait. Est-ce qu'il ne comptait pas pour vous? C'était la ruine de votre pays. C'est vous qui avez causé la ruine de mon pays. Que feriez-vous, vous, si des étrangers occupaient votre terre? Avez-vous jamais réfléchi à ce que vos attaques pouvaient représenter à nos yeux? Embuscade, meurtre, pillage, enlèvement, vol, menace contre les fermiers. Vos fermiers cultivant nos terres. La Libye n'est pas votre patrie. Vous n'avez pas de droit sur elle. Pas le droit d'y faire paître une tête de bétail. Pas l'ombre d'un droit. L'Italie a autant de droits ici que les autres ailleurs. L'Angleterre a des droits sur l'Égypte, la France sur la Tunisie et l'Algérie. L'Espagne sur le Maroc. Mais les nôtres sont plus solidement fondés. Nous avons des centaines d'années de droit ici. Vous vous apprêtez à tout me prendre, à me dépouiller. Et vous voudriez me voir justifier vos crimes. Aucune nation n'a le droit d'en occuper une autre. Nous n'avons fait que revenir. Nul ne peut le contester. Lisez la date de cette pièce. C'est de la monnaie des Césars, datée, frappée en Libye. On y trouve aussi des pièces grecques, turques, phéniciennes et autres. On les trouve sur tout notre territoire, enfouies dans notre sable. J'avais oublié une chose. Vous avez la vue basse, n'est-ce pas? Voici vos lunettes, si je ne me trompe. Le jour où elles me sont parvenues, j'ai su que vous ne tarderiez pas à les suivre. Mes lunettes. Nous sommes tous deux entre vos mains. Je ne vais pas être mesquin. Allez, reprenez-les. Tenez. Oui, oui, elle a un passé intéressant, cette pièce. Mais n'essayez pas de faire votre marché avec elle aujourd'hui. Car votre argent, ni votre gloire ne sont durables. Mais je respecte votre passé et vous devez respecter le nôtre. Nous aussi, nous appartenons à l'histoire, à celle de la science, des mathématiques et de la médecine. Vous tâtonniez dans la nuit que nous tenions déjà le flambeau du savoir. Combien de jours vous faudra-t-il pour obtenir la reddition de vos hommes? Nous ne nous rendrons jamais. Nous gagnons ou nous mourrons. Ne croyez surtout pas que tout va s'arrêter. Vous aurez la génération suivante à combattre. Et la suivante. Et encore la suivante. Quant à moi, je vivrai plus longtemps que ceux qui vont me pendre. Pourquoi croyez-vous que je vais vous pendre? Il serait peut-être plus politique de ma part de vous faire une pension. Si je vous pends, je risque de donner un martyr à votre cause. Mais votre mort serait un bel exemple de notre force. Vous ne ferez jamais de moi que ce que Dieu décide pour moi.
Ces chaînes vous sont insupportables. Il y a des choses plus insupportables. Asseyez-vous. Merci. Savez-vous qu'il y a longtemps que j'espérais que vous et moi, deux implacables ennemis, nous pourrions nous rencontrer le jour de votre capture et discuter comme César... Général, Omar Mukhtar ne saurait vous donner les conquêtes de César. Je vous traque depuis tant d'années. Et puisque nous nous connaissons bien tous les deux, ça aurait été insensé que nous travaillions ensemble à la paix. Et c'est aujourd'hui le jour où je dois travailler pour vous. Pourquoi ne me demandez-vous pas votre vie? Je peux vous l'accorder. Comme ça. Que voulez-vous en échange? Ma collaboration? Non. Non. Il est trop tard pour marchander, Mukhtar. Oui, il est beaucoup trop tard. Je ne vous demande pas de m'accorder la vie. Alors ne dites pas au monde qu'à l'abri de tous les regards dans cette pièce, le vieux lion s'y est abaissé. Non. Non, jamais je ne dirai ça. Je ne mentirai jamais sur vous. Vous êtes un homme de courage. Souhaitons que ce courage soit avec vous demain. La corde de votre justice s'est toujours balancée devant moi, général. Qu'on le fasse photographier, je garde toujours un souvenir de mes ennemis. Ordonnez au président du tribunal de le faire pendre sous les yeux de ses partisans. Que tous soient présents. Omar Mukhtar, vous êtes accusé de rébellion ouverte contre les autorités légales de votre pays. Quel âge avez-vous? 73 ans. Reconnaissez-vous être le chef des forces qui, en Libye, combattent contre l'Italie? Oui, je le reconnais. Avez-vous participé à des attaques contre des soldats italiens? Je ne le nie pas. Depuis combien de temps est-ce que vous participez à des attaques contre des soldats italiens? 20 ans. Et combien y a-t-il eu d'attaques? Vous savez, je ne me souviens plus de leur nombre. Vous avez donné l'ordre de torturer et de massacrer les prisonniers italiens? Pas ça, non. Jamais. Vous avez été capturé les armes à la main? Ça, c'est vrai. Je suis un soldat italien. Sur le champ de bataille, je serai son ennemi. Mais ici,
J'ai été commis d'office. Et mon devoir est de le défendre. Vous êtes un vieil homme. Notre aîné, à nous tous, ici. Aussi, je ne vous accablerai pas de trop nombreuses questions. Vous êtes-vous jamais soumis à l'autorité légale italienne? Non, jamais. Avez-vous jamais reçu de l'argent ou des subsides d'une autre nature du gouvernement italien en échange d'une promesse de bonne conduite? En aucun cas. Jamais. Devant cette cour, je déclare qu'Omar Mukhtar ne s'est jamais soumis à notre autorité, n'a jamais reçu des subsides des autorités italiennes et n'a jamais admis ni reconnu notre droit à gérer et gouverner cette colonie. Par conséquent, il ne peut, en toute logique et justice, être jugé par cette cour en tant que rebelle. Puisque nous avons capturé Omar Mukhtar, après une vingtaine d'années de bataille, nous sommes moralement obligés aujourd'hui de traiter cet homme en prisonnier de guerre. Silence! Silence dans la salle! Capitaine Lontano, vous aviez reçu l'ordre de défendre ce rebelle contre l'accusation de trahison. Vous avez eu tort d'outrepasser cet ordre. La sentence vous concernant, Omar Mukhtar, est la mort par pendaison en place publique. Dans la ville de Solouk à 11h du matin demain, 16e jour du mois de septembre 1931, en œuf de la glorieuse ère fasciste. C'est de Dieu que nous venons, et c'est à Dieu que nous retournons. Au nom du gouvernement souverain de Tripolitaine Cyrénaïque, nous exécutons la sentence telle qu'elle a été prononcée par le tribunal militaire de Benghazi le 15e jour du mois de septembre 1931 en œuf de la glorieuse ère fasciste. Omar Mukhtar, vous avez été reconnu coupable de haute trahison, à la fois morale et matérielle. Coupable d'avoir suscité et entretenu une rébellion contre les autorités italiennes de cette colonie. La sentence de la cour, mort par pendaison en place publique, va être à présent exécutée. Centurion, allez. Prêt!
Merci, mon Dieu, de me laisser mourir entre les mains de mes ennemis. Nous ne nous rendrons jamais. Nous gagnons ou nous mourrons. Vous aurez la génération suivante à combattre, et la suivante, et encore la suivante. Quant à moi, je vivrai plus longtemps que ceux qui vont me pendre. Après la chute de Mussolini, le maréchal Graziani fut jugé et jeté en prison. Il mourut en 1955.